métier de Rick avant la pop. T'as pas honte d'acheter un iPhone 15? Tu penses aux gens qui n'ont pas d'argent? T'as aucune valeur des choses. Cette personne doit faire écho à ma vidéo d'hier où je faisais l'unboxing de mon iPhone 15. Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est paumé. Poli? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce disque.
car ses conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, Hackett Squad peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention. Joli réflexe, ah. C'est pas moi qui suis passé sur le nid de poule. C'est le nid de poule qui nous est passé dessous, il y a une différence. Waouh, ça c'est de la mauvaise foi de niveau olympique. Merci. Très impressionnant. Merci. Bon, on est toujours perdus. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles ? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Il n'y avait pas d'indication sur la brochure ? Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux feu de camp. Génial. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Hé, hey, regarde la route, s'il te plaît. Oh ! Ça va bien ? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi ? Un ours ? Quoi ? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi ? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse ? On a renversé quelqu'un ? Je sais pas. On est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça ? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre ? Ouais, ouais, bouge pas. Pas si grave. Ma mère va me tuer.
Ah, merci. De rien. Je peux t'aider ? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici ? Route. Là, si je commence. Parfait, machin. Merci. Machin. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp en train de chanter des petites chansons de colo. Tu vois, même si je voulais te spoil, je pourrais même pas te spoil. Parce que ça se trouve, toi, tu vas jouer différemment que moi. Oui, c'est pour ça. Bah, ce sera toujours alors, je pourrais même pas te dire ce qui va se passer. Je pourrais même pas te dire ce qui va se passer. Alors, comme toi, Alan, t'as peur pour pas grand chose, des fois. Tu vas où ? Alors, franchement, le seul moment où tu peux avoir peur, c'est vraiment quand t'es. Pas comme ça. Mais. Franchement, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bon. Moi franchement c'est ça, ça m'a un peu déçu parce que c'est okay, ça m'a un peu déçu parce que franchement c'est pas comme ça, c'est... ou t'as ça ou t'as des ou t'es une femme qui a parlé hier et puis que d'un coup oh ben y a pire femme, ou alors il y a des moments des fois aussi que bon ils se font agresser, mais c'est tellement prévisible que t'as même pas peur. Allez Max, dépêche-toi. Bon. Bah tu verras de toute façon. Ah au fait Diablo ils l'ont toujours pas mis hein, sur le rien pas ça. Je crois qu'on a percuté. Le Diablo il est pas consorti Diablo. Bah non c'est ce que j'ai dit sur là. Attends, j'ai vu, j'ai fait. Tiens, c'est bizarre. Bah ouais, j'espère que soit ils seront là. C'est écrit probablement de la journée, je donc sais pas, j'ai entendu quelque chose comme une voix. Donc voilà. Bah pareil la patate, c'est pareil. Ouais, là, peut-être, il y est pas, bah, il y est pas, bah, mais bon, il y est pas. Mais va pas trop loin, ok ? Salaud ! Fumier. Salaud, bah. RT, t'es drôle, toi. T'es marrant, toi, RT. T'es drôle, toi, RT. Salaud ! Fumier. Fumier, bon. C'est pas évident de pousser une voiture, t'es drôle, toi. C'est pas évident de pousser une voiture. Salaud. Fumier. Ah ouais, moi je suis rapide. Talo. Fumier. Oh putain. Dégage-toi. Oh putain. Talo. Fumier. Fumier. Ah, par contre, s'il y a un truc que je peux dire, Alan, c'est de ramasser un maximum de cartes de tarot. Tarot. Ah, les cartes, là. Moi, j'en ai vu deux, là. Bah, moi, au début, c'est j'en ai. Arbre. Bah, moi, au début, j'ai pas. Je faisais pas. Au début, j'ai voyé les cartes de tarot, mais j'appuyais pas sur A, forcément. Puis, c'est arrivé au chapitre 4 ou au chapitre 5, je me suis dit, tiens, faut peut-être que je les ramasse. Bon. Donc. Des menottes. Salaud. 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 Fumier. Mais il est où? En fait, il... Là-bas. Ah, par contre. Ah ouais, ouais. Que c'est? Ah mais merde, je me suis fait avoir aussi tout à l'heure moi. Oh putain. Merde. Silas, l'enfant chien. Je me suis basé sur. Merde. En fait, je me suis basé sur lui, ce fumier.
Petit bonnet sur lui. Pourquoi il tourne pas? Voilà, madame. Et madame. Mais Silas. Silas. Et tu vois, ça fait que ça. Mais il y a un moment où le cercle, il va y avoir que. Oui. Il va être tellement petit que tu pourras. Il va être tellement petit que tu. C'est soit toi, c'est lui. Oui. Oui. Ah oh, putain. Lumière. Oh le salaud. Oui, madame. Oh, je l'ai vu, madame. En fait, tu comprendras. En fait, tu comprendras plus tard dans le jeu que la dame en question, enfin, tu verras, tu comprends. Où êtes-vous? Quoi? Tu verras que la dame que tu vois dans le... Tu verras que tu comprendras dans le plus tard que qu'il y a un rapport avec... Enfin, tu verras. Et cours. Là, à mon avis, vu la musique, c'est toi, soit toi, soit lui. Hey. Et soit toi, soit lui. Parle-moi. Là, faut rester un moment civique, là. Chérie, respire, tout va bien, c'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs, il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, oui, s'il te plaît. Oui, on y va. Okay. Ah oui, là, c'est mort subite, là, donc c'est... Ça va? Ouais, écoute ça, elle ronronne comme un chat. Max, allez! T'inquiète, on dégage d'ici. Dis-moi que tu te fous de ma gueule! Max! J'ai juste... Laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte! Ah, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît! J'essaie de nous sortir d'ici, mais c'est... Arrête, putain! Non! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. J'ai des frissons. Oh, au début, t'as pas beaucoup... Franchement, au début, t'as pas beaucoup de frissons, au début, hein, t'as... Non, mais là, j'ai des frissons, j'ai du vent sur moi. Putain de merde! Oh, putain! Oh, ça va, c'est 1460, ça. Non, parce que juste avant, j'ai pris ma douche. Mais c'est la vie. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé. Mais tu vois, il y a un truc qui me déçoit un peu dans le jeu quand même, c'est que à un moment donné, t'es dans le. À un moment donné, t'es dans le noir, t'es dans la forêt, enfin, tu vois rien. Et moi, je me suis entendu, tu sais, je me suis entendu à une musique qui fait flipper, à. Mais pas la caméra qui filme de telle sorte que tu. T'as l'impression qu'il va y avoir un truc qui va te mettre dessus et en fait compte bah non quoi. C'est un peu une déception à ce niveau-là. Vraiment une déception. Eh ben on conduisait et il fait vraiment, vraiment très sombre par ici. Et je sais pas, on a dû rouler dans un lit de poule parce que on est sorti et on s'est. Non, quatre. Franchement, les routes sont mal entretenues par ici. Ouais. Monsieur? Laissez tourner le moteur. Monsieur? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. Mais le problème, c'est que moi. J'en sais rien, c'est la première je voudrais fois. Le. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Mais ils sont malins. Ils sont.
Ils sont malins, eux. Ils sont malins. Ah, mais putain. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez. Non, accélère, accélère, accélère. Route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. Non. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Ah, là-bas. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Allez, mais après. On a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Mmh. C'est bon. Vous l'atteindrez ah non putain de saloperie. À ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord? Oui, mais c'est pas du 2 contre 2, hein. C'est pas parce que si c'était du 2 contre 2, normalement ils auraient gagné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous? Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett Squarry? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Monsieur, je comprends pas. Où est le problème? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi? Pourquoi? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame, je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule. J'aimerais vous montrer l'itinéraire sur votre carte. Okay. Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon. Okay. D'accord. Par contre, le son est bien fait, hein. Hmm? La voix de son. Du flic, là. Des bulles. Ok. Bah, t'as l'air, ils sont connus, le visage. Enfin, moi, le visage, c'est quelque chose. Le flic. Le flic, il dit quelque chose de flic. Ah, mais le flic, il est connu. Hein. Le flic, il est pas. J'ai déjà vu dans des films. Dans des films, dans des séries. C'est comme. Elle est noire, c'est pareil. Elle est noire, t'avais beaucoup d'acteurs dans les films. Qui étaient des vrais acteurs, hein, pas juste des. pas juste des acteurs faits pour le jeu. T'en avais certains, je voyais dans. Par exemple, dans Chamed. Le blond là, qui faisait l'ange dans l'autre. Ouais, ouais. Le blond là, qui faisait l'ange dans l'autre, je sais pas comment il était. Enfin, il a. Dans Chamed. Dans Chamed, par exemple. Pas dans le. Dans Il est noir, par exemple, il était. T'as aussi un autre. Un autre aussi, un autre avec une tronche. Un autre avec une tronche. Une tronche que moi, à chaque fois que je le vois, j'ai une tronche de. Je sais pas, une gueule de. Je sais pas comment dire. Il est petit. Il est petit avec un nez bizarre, avec une tronche bizarre et tout. Et bah, c'est pareil, lui, c'est un. C'est pareil, lui, c'est un. C'est un acteur qui a joué dans des. Dans des séries, dans des films. Je vais même pas ce que j'ai mis de dire que dans les films comme ça, dans les jeux comme ça, c'est. Bon, il va mourir. Vraiment, mais alors carrément, il aurait bien besoin d'une dizaine de doses. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là. Tu crois que c'était du sang? Oh putain. C'était. Mort subite. Ah merde. Ça, c'est quelque chose. Hum. Ah, mais il dépend. Très bien, on va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir. Merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel? Ok, bon. Il se défend. Et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi? Hackett Squarry. Comment t'as fait? Et ouais. Moi, je me suis arrangé pour. T'as assuré. T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant? Non, il vaut mieux pas. On va reprendre la route, ok? Ravi de l'entendre. Madame.
Non mais je te jure. Mais tu sais ce que je faisais moi quand je jouais beaucoup plus, c'est ça. Je faisais le parce que moi j'avais fait solo, genre en tout, puis après mes problèmes. Mais j'avais fait un truc, c'est que je faisais toujours mes courses. C'est une course quand même presque belle. Et je la faisais seule, et ça m'a apporté de l'argent. Pas beaucoup, mais ça m'a apporté suffisamment d'argent pour. Ça m'a apporté suffisamment d'argent pour. Mais le problème, tu dis qu'on est en équipe, mais si on se retrouve toi contre moi, ça va être toi contre moi, quoi, pas. Donc. Et merde. C'est un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Oh putain. Mais yo. Mais yo. Là-bas. Hôtesse Kouari. 25 juin. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh! Eh oh toi, fumier. Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir? Oh putain. Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y aurait une épave? Attends à toi. Max, allez. Max, sois pas con. Je me suis fait avoir deux fois, pas trois. Ah oh, putain, non. Non. Ah oh, putain. Ok. Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
allez bien? Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Je crois que c'est Monsieur Hackett. Je sais pas, je... apporte des outils, on doit casser le cadenas. Et ben voilà. On va vous sortir d'ici. Hé. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Y'a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi? Si, là. Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Il y a combien de manches? Ok. Il y en a 5? Je prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Et alors, quelqu'un est enfermé. Eh oh, toi! T'as jamais vu Evil Dead, hein? Oui, ça va, ça va. Hey, oh. Oui, ça va, ça va. N'empêche hein, que si on était rentré dans les poubelles, hein. Vous existez? Ouais. Toujours moi. Ouais, on fait du... Hey. On fait un mode, là, sur GTA. Non, je suis pas là, sur la couille, sur le... N'empêche que si on était pas, si on était parti par le, comme j'avais dit au début, les poubelles, hein, ah, on aurait peut-être pas recommencé le braquage, je sais pas comment il va. Oh, t'as entendu. Hmm? T'as entendu. J'ai pas crié. Franchement, peut-être que... Max. Peut-être qu'à un moment du jeu, tu vas peut-être pousser un... Ah, comme ça. Parce que peut-être qu'éventuellement... quand je dis bien peut-être, hein, parce que... Moi, j'ai sursauté. Et ouais, tu t'y attends pas. C'est vrai, tu t'y attends pas. Quand tu t'y attends pas, je dis pas, bon... Tu veux venir en tout. Ouais. Je dis pas, quand tu t'y attends pas, je dis pas, bon... Mais quand tu t'y attends, quand c'est... Enfin, voilà. Moi, je sursaute parce que je m'y attends pas. C'est comme un Scream. Un Scream, tu regardes au cinéma une fois, deux fois, trois fois, au bout de la quatrième... Au bout de la quatrième, tu sais ce qui va se passer, quoi. Vas-y, ouais. Donc, au bout de la quatrième, tu sais qu'il est méchant, quoi. Et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Yeah. Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Notre imagination. Putain, bâtard. Max. Fumi. Salaud. Salaud. Fumier. Ah mais j'ai... Il y avait pas la place. Oh le bon que j'ai fait. Putain de bâtard. Oh le bouger. T'as entendu une rire? Non, j'ai... Putain de bâtard. Ah, oh, toi, ça a commencé. Max! Et si. Je joue. Bon,
Ben Timmy, bon ça va Timmy? T'as pas entendu moi en tout cri que j'ai fait? Ça va ma Timmy? Bien bâtard. Ça va ma Timmy, ça va? Ouais, ah. Ouais, je me casse, j'abandonne. Bon. On fait quoi comme autre épreuve? Oh le cri il est bien fait. Et qui c'est qui a choisi par contre, c'est toi ou c'est toi qui a eu mal libre? Il m'a eu mal libre. Hein? Est-ce que vous trouvez toi qui a mis mal libre ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Ouais. Ouais. Gros, tu vois le son quand tu vas au cinéma? Bah, c'est le même. Comme l'autre il a crié là. C'est le même truc. Le son quand t'es au cinéma. T'es le son que t'entends au cinéma, t'es bien fort. Ouais. Ouais, le son des filles tout seul. Ouais. Oh le son bien. Moi tu sais j'ai une télé, une simple télé LCD. Pas d'homme cinéma. Je suis pas sûr que même avec un homme cinéma, je suis pas sûr que même avec un homme cinéma que ça me ferait peur, hein, personnellement. Scream, oui, Scream, si tu la regardes sur un homme cinéma, oui, ça fait flipper. Mais moi, je peux te dire, j'ai vu les trois Scream au cinéma. Je veux dire que tu t'y attends pas, tu vois pour la première fois, tu t'y attends pas, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais quand tu le regardes deux fois, je te réinvite la malle. Bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Bah, apparemment, non. Faites comme chez vous. Allez-y. Tu me réinvites? Je vous attendais. J'attendais. Oui. Et j'espère. Ouais. On fait comment? On voit le nombre de. Non, c'est simple, tous les films paranormaux, tout ça, j'aime pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide. Dans la les films paranormaux, les films paranormaux, un peu tout ça, moi j'aime pas. Mais avec du courage. Ah bon? Et bien sûr, votre autorisation, je vous aiderai. Qui? Nous nous entraiderons. Quelque chose. La carte que vous avez. C'est une chose. Bah, réinvite-moi toi au pire. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Ah nous ouais. Nous tous reconnaître un fou au premier regard. L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques. Ah. La spontanéité. Bah, on vous laisse les gars parce que on vous laisse les gars, je vais. Toutes les conséquences. Sinon, on va faire un truc sur. Je dirais. De toute façon, on se voit ça, de toute façon. Ouais, vas-y. Attends, je vois ça. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. Bah quitte. Non, attends, parce que. Voici ce qui pourrait. La main, tu m'as invité en groupe. Non, parce que ça m'a marqué, tu m'as invité en groupe. Arrivé. Un futur plan. Bah si, mais tu m'as invité en groupe, tu m'as pas invité en jeu. Regardez. C'est pour ça que j'ai pas compris que tu m'as invité en groupe. Hein. Non, tu m'invitais en groupe, Lamel, petit gouré. Non, parce que je disais, tiens, il m'invitait en groupe, ça. Non, tu m'invitais en groupe. Il existe bah, bien en jeu. Secret, vous savez. En groupe. Des secrets, en groupe. Des mensonges, des chemins à découvrir. Parce que je croyais que je dis, tiens, bon. Si vous le voulez. Non. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Ah non, tu m'invites comme d'aime, tu... Et moi, si je t'invite, moi.
chapitre 1, vive. Alors quoi? Vite. Mais ouais, il n'y a que un vite à ma fête. Il n'y a pas. Même pas trop loin. On fait comment alors? Ouais. Bye. A plus. On vous aime. Hey, à Kate Squarry déchire tout. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantique apocalypse. Attends, moi aussi, hein. Bon, je relance, puis hop. Je te jure. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers? Ouais, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Mmh. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Y a rien à dire, c'est vrai, ça va? Oh, ça va. Ça va, super. Eh ben, moi... moi, il y en a... moi, j'en ai fait tuer trois. Arrête. Il y en a une au début, la première, je pense que si je m'étais pas gouré dedans et tout, je pense qu'elle serait pas vivante. Ah, la première, au seul au début, là c'est... Ça, c'est... Tu peux choisir de l'aider ou bien de... Non, t'en as une qui est toujours avec son... T'en as une qui est toujours avec son téléphone, hein, qui est amoureux de l'autre, là, avec la casquette, là. Et qu'est-ce que t'en veux? Salut Emma pour moi. T'es vraiment teigne. Et j'assume. Enfin, c'est qu'il y a amoureux de l'autre, que c'est t'en veux. Et qui est toujours fourré avec son téléphone en train de se filmer. Bah elle, si je m'étais pas gouré dans les touches, peut-être qu'elle serait morte. Pareil, il y en a une aussi qui est morte hier, pareil. À un moment donné, t'as le monstre qui... Bah, là, hier, elle est morte parce qu'il n'y avait pas le choix. À un moment donné, tu sais, t'appuies sur A. Non, c'est pas le... on parle juste. À un moment donné, t'appuies sur A pour qu'elle arrête de respirer pour que le monstre ne pas respirer. Sauf que moi, hier, j'étais dans une espèce de chambre. Et on était à deux. En fait, on était à deux. Et il y en avait un qui était planqué plus au fond de moi de la pièce. Et le problème, c'est que moi, j'ai appuyé sur A pour justement éviter de respirer pendant que le monstre était là. Et vu comment c'était fait, vu comment la pièce était, et qu'il est toujours dans la pièce, bah, à un moment donné, j'ai dû lâcher le bouton pour qu'elle reprenne sa respiration. Et au moment où je l'ai fait, bah, le monstre, il est sorti de la pièce, mais bon, moi, je pouvais pas respirer. Ah, la personne pouvait pas respirer, et bah, il l'a entendu respirer, puis il l'a pris, là. Et donc, il y en a la troisième aussi qui est mort parce que j'ai pas réussi à ouvrir les bonnes portes. Donc, à un moment donné, il dit, bah, à un moment, il dit, ouais, mais c'est vite, non, tu seras en sécurité, et puis en fait, non, bah, il était pas en sécurité, quoi. Donc, moi, j'en ai fait trois. Mais encore trois, c'est pas mon max, hein. Parce que le premier Dark Picture que j'ai fait, je crois que c'était pas plus que là. Et je crois que je les ai fait pareil, parce que je me suis gouré tout. Et puis j'ai pas pillé au bon moment, j'ai pas pillé machin, et puis bah, soit là, ils sont morts dans d'horribles, enfin, ils sont morts, puis bah, ils sont... C'est parce que c'est moi qui me suis mal démarré. Et puis, c'est pas vrai. En fait, dans ce jeu-là, si les personnages meurent, c'est soit parce que tu prends pas assez vite de décision, ou alors tu prends une décision, mais tu te couches douche, ou tu te poses de par moi. En fait, ils peuvent mourir pour plusieurs raisons. Quoi. Donc, c'est pas forcément. Ils meurent pas forcément par rapport aux décisions que tu prends. Ils meurent parce que soit tu te grosses les touches, comme moi, soit tu vas pas assez vite. Tu prends pas de décision assez vite, cool. Et là bah clac.
Bon, j'ai l'impression que Diablo, si ce soir on peut pas y jouer, bah t'as besoin de demain pour le changer, hein, parce que là ça va être. Ouais, parce que ça dit dans la journée alors. Hein. Oui, mais apparemment. Oui, mais apparemment. Ce qui ne te tue Ben pas. moi je l'avais. Ben moi je l'avais payé donc D'accord. je l'ai. Moi j'avais déjà. Ah mais j'ai Ah mais moi je l'ai déjà téléchargé moi. En musique. Hein. Oui. C'est pour ça que ça fait un peu mal au cul. Après, il faut la place, hein. Il faut la place, toujours pareil. Ah, parce que t'as pas la place pour mettre en plus. Ah. Enfermé. Qui? Ah ouais. Et toi, Alan, t'as la Bah, place pour trouve un mettre ou autre pas? accès. T'es un Ou grand c'est. garçon? Bah, je sais pas, Oui. juste le son, oui. Ouais. Ils ont fermé. Qui, à ton avis? Bah, attends. Eh bah, trouve un autre accès. Euh, T'es un grand garçon? s'il a au moins 100 gigas, bah, vu les Peugeot qu'il a, Bah, c'est Alan. j'ai le Square et puis Fortnite donc. Bah, disons que vu le Peugeot qu'il a, Alan, Ils ont il a fermé. que Fortnite Qui? et. Bah, comme il dit, il a À que ton Fortnite avis? donc Eh bah c'est trouve pas un autre avec le accès. Peugeot qu'il a T'es un grand que. garçon? C'est moi quand j'avais la Series S, je faisais un peu comme Alan. Il s'est mis vite et puis hop. Hein. Voilà, maintenant avec le CX, c'est un peu plus tranquille, mais. Puis en plus, moi j'ai deux SSD, donc ça aide. Ça aide. Si j'avais pas les deux SSD, si j'avais pas mes deux SSD, j'achèterais beaucoup moins de jeux. Hein. Parce que le disque dur, certes, il fait. Le disque dur, certes, il fait 1 Tera, mais quand tu Oh. achètes le. Quand tu achètes la console, avec la mise à jour système, etc. Sur les 1 Tera, t'as. Sur les 1 Tera, t'as que 800. Hein. 800 gigas. Bah, 800 gigas, si tu mets les deux Call of, déjà ça, 800, t'as plus grand-chose. Si tu mets les Call of, pour moi, j'ai des Call of. Si tu mets les deux Call of, si tu mets Diablo, parce que t'as mis Diablo, 100, paf. Si tu mets, enfin, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ouais, t'as beau avoir 1 Tera, hein, mais. Voilà quoi. Bah moi j'en ai acheté deux moi. J'en ai acheté. Donc un deux moi. Deux. Un terrain, ça va vite un terrain. Quand tu vois les jeux maintenant, quand tu vois les jeux maintenant, Ah bah un oui, terrain t'as un c'est. appareil. On dirait un tableau de Bob Ross. Assez peu, oui, Grand ça comme. c'est. Eh oui, tu vois. Alors, quand t'es 800 gigas, t'as. Pouf! T'as plus grand chose, là. Ah, t'as plus grand chose. T'as encore la place, mais. Cool. Dis-y. Et Fortnite, j'ai regardé hier. Et Fortnite, j'ai regardé hier. 60 gigas, il fait. Hein. Moi, je me rappelle, à une époque, il faisait. Je Il fait déteste. 60, il fait 60 gigas, il fait 60 gigas. Ah, moi, 62. Par contre, la patate, lui, il m'a dit hier sur sa PS4, lui, PS5, par contre, il fait 72 gigas. Quand il m'a dit 60 gigas, j'ai fait non, arrête. Ah, si. Te rends compte, et un jeu que, mais te rends compte qu'il y a d'autres jeux et bah, royale que j'ai moi sur ma console, j'ai Naraka, j'ai Rim Royale, j'ai. Te rends compte que Rim Royale et Naraka, qui sont deux jeux, qui sont deux battle royale, ils font beaucoup moins. Hein. Je crois que Rim Royale, il doit faire dans les 8, dans les 10 gigas, c'est comme ça. C'est rien, 10 gigas, c'est. Enfin, peut-être. Mais bientôt il va arriver à son giga, bientôt. Il va arriver à son giga. Entre compte, Fortnite et son giga,
Call of sans presque de changer sur télévision, il te reste combien En fait, c'est pour ça que d'ailleurs la Xbox, ils ont pensé au SSD. J'aimerais pas être coincé. Parce que les SSD déjà ça coûte cher. Les SSD sur Xbox ça coûte un bras. Donc moi j'ai pu me les prendre parce que bon, oui, donc j'ai fait. Mais si j'avais pas pu le faire, j'aurais été obligé de faire comme Alan, comme tout le monde. Hein. Streamer des jeux et puis streamer un jeu par un jeu et puis finir au plus vite et puis après pas. Toi, hein. Ah mais t'as pas le choix, à un moment donné, t'as pas le choix. Que t'aies la série S ou la série X, de toute façon, c'est... Bon, la série X, t'as un peu plus de choix, parce que bon, tu peux mettre un peu plus de jeux, mais bon, quand je dis un peu plus, c'est pareil, ça dépend du jeu, ça... En plus, non, parce que attends, il faut... On dit le jeu, mais t'as le jeu, bon. T'as les DLC aussi, parce que les DLC, t'as... Là, ils font 20 gigas. T'as les DLC, ouais. Parce que le jeu, lui-même... Par exemple, dans Dragon 3, moi, le jeu lui-même, il fait que 40 gigas, tu vois. Mais si tu rajoutes les 3 DLC qu'ils ont mis, 4 même, je crois, 4, ça monte à facilement presque 100 gigas. Donc. J'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi. Non, t'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan, le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Sincèrement, j'en sais rien. Et comme le Claude, moi je sais pas comment ça marche. Sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby. Ok. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout, tout le monde y est. Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode... Je sais pas, je peux pas dire. Différentes facs, je peux pas dire. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance... C'est qu'il y avait une époque des gamins Jacob. Je voyais sur les trolls sur l'ensemble qui me disaient à chaque fois « j'ai pas de place, j'ai pas de place ». Je dis « oui, mais t'as quoi comme jeu ?» Alors le gamin me dit « t'as les gamins, ils téléchargent des démos, et les démos, après une fois qu'ils ont joué, ils expriment pas. » Ah, j'ai évidemment, si t'as plus de démos que de jeux sur ta console, c'est sûr qu'il va y avoir un petit problème. Ah bon, les démos, tu y joues, tu les installes, direct. Ça lui plaît. Tellement pas dans le déni. Oui, mais t'as les gamins, ils y pensent pas. Ils t'échangent des mots, puis ils laissent. Et après, ils vont te dire, j'ai plus de place. Excuse-moi. Mais t'as combien de démos sur ton... j'en ai... voilà. Tu retirerais ta démo, bizarrement, t'as de la maison. On fait comment pour un CSU? Attends, putain, mais... Mon téléphone est où? Il y a. Eh ouais. Attends. Si je voulais, je pourrais même charmer un serpent. Non, mais je vais aller sur mon truc, moi, crétin. Le truc le plus débile que t'aies jamais dit. Non, j'ai dit un peu débile. Ouais. Bah, à où? Hein? Okay. Est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tatouage... C'est pas à où? Jette un œil. Et qu'on a envie de débarrer. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hey. Ah, mais mec, con. Tu m'as invité. Tu m'as invité, Encore? Mais t'es toujours aussi nul. Hey, lâche-moi. J'ai pas dit que je voulais pas dépenser de l'argent. Okay. J'ai dit que je voulais en gagner suffisamment pour après le dépenser. Et si comment j'ai joué à Saint-Tro sur toi? Comment j'ai joué à Saint-Tro sur toi? Saint-Tro, qu'est-ce que je faisais? Je faisais l'émission, je rapportais de l'argent. Non, parce que moi, je suis à ce niveau-là, moi, je suis un petit peu radin à ce niveau-là. Je suis un petit peu radin. Qu'est-ce que je faisais, moi? Qu'est-ce que je suis. Voilà, ferme-toi. Qu'est-ce que je faisais, moi, sur radin? Qu'est-ce que je faisais, moi, sur Saint-Tro? Sur Saint-Tro, je faisais l'émission qu'il demandait de faire. Et là. L'argent de sa côté. Après, j'allais sur l'application de mon téléphone, je mettais virement et hop. Ce qui fait que je dépensais pas grand chose, mais j'ai récolté de l'argent. Et après seulement, après, oui, j'ai dépensé. Oui. On dirait un patron de casino, là. Ferme. Donc voilà.
peut faire des épreuves, comme tout à l'heure on a fait. Et là... Ça a l'air important. Oui, mais est-ce que tu comprends pas la mastique? Ça ne me rapporte pas que de l'argent que à moi, ça te rapporte aussi à toi, de l'argent. Je te remets à ta place demain. C'est ça que je vois, moi. C'est que de l'argent, moi j'en rapporte, toi aussi. Tu... crois? Si ça faisait que moi... On dirait qu'il mijote quelque chose. Je suis sûr qu'il y a des épreuves. Non, 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 mec! Non, non, fais pas ça! Passe longue! Oh, Nick! Mais non! Moi, si je fais des... Si je fais... Mais non, c'est... Tu travailles... Quand tu travailles, toi... Tu as de l'argent tous les mois parce que tu travailles. Eh bah... Hey, dommage que j'ai pas de billets. Oui, mais toi, ce que tu veux me faire faire, c'est me faire acheter une boîte de nuit. Il va peut-être me rapporter de l'argent, mais comme le jeu, j'y joue quasiment. Le jeu, j'y joue que quand toi tu peux jouer, etc. Donc, même si cette boîte de nuit me rapporte de l'argent, il faudrait que j'aille sur le jeu pour voir si l'argent ça m'a. Non, c'est. Voilà, donc. Ah, tu vois! Tu vois, toi, tu vois ta boîte de nuit, mais comme tu dis toi-même, parce que tu joues pas qu'à ce jeu-là. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Ok, mais moi au moins j'ai eu une relation amoureuse. Et oh toi. Wow, quel non, non, non. Ouais, bah, ah, peut-être qu'on ne cherche pas tous des coups d'un soir. Okay, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir. Je peux entrer dans ta boîte de nuit ou c'est ou c'est sect ou c'est sect. Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Non, c'est le meuf qui a dit. Je sais même pas quoi répondre à ça. Connerie. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi. Effectuer des contrats de contre une. Ouais, continue de rêver. Ouais, c'est marqué. Effectuer des contrats contre un monde, Jack Energy, tous les jours pour gagner de l'argent et des RP. Bah, t'es une fois là, le temps que vous. Pour... Tu vois, c'est marqué. Pas marqué le dit, hein, c'est marqué. Zone de thème. Oui. Attends, deux secondes. Ah, purée. Il est où? Salon auto, fils de. Bah là? Non, c'est ça, non? Bah c'est où? Pas d'info d'emploi. C'est pas d'info d'emploi. Mais comment on fait pour. Non, non. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, Email. Rapidement. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs. Attends. Et tirons. Ah, c'est à toi. Fichu trou perdu, infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Pas d'offre d'emploi. Fais chier. Ouais. Bon, je crois mais pas d'offre d'emploi. Allez chercher la clé. Trouvez notre chemin. Et quand je parle de... Ah bah oui, mais je suis d'accord, mais ça me dit pas d'emploi. On va ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Là, ça me met le diamant. Et se compter contre la montre. Je te suis. J'espère qu'on aura pas de tourisme. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rend compte. Et je sais, franchement. On pensera que c'était un ours affamé. Ah si, 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 t'as l'air. Je vais vous recruter dans un club de... C'est bon. Pas faux. En fait, ils ont mis ça dans l'activité. On y va. À ça. 3, 1, 2, 3. Ah, voyons voir, c'est quoi ta boîte. J'espère qu'il n'y a pas des... Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûr qu'ils vont croire que c'est un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ou s'il y en a des... Okay, bon. Combien? Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Après combien? Hein? Elle prend combien tes poupées, hein? C'est la peluche Dizzy. Je veux jouer à un jeu! C'est ça ta boîte? Ouais. Ah! Espèce de petit monstre. Est-ce qu'il y a des demoiselles là? Non mais c'est ça que t'as pas compris. Non mais t'as pas compris. Est-ce qu'il y a des demoiselles pour faire des choses pour faire avec des demoiselles? Oh. Non.
Un article sur ce lieu paumé. Bon, il danse mon personnage. Ah bah, il danse comme moi, tu vois. Et il a des cheveux. Hein? Il a des cheveux. C'est drôle. Bah, je sais pas, moi, je demande. Hein. Après, il veut pas. Il veut pas se mettre en. Il veut pas. En fait, il danse comme moi. C'est moi, je danse comme dans le film avec Will Smith. C'est dans Hitch, Expérience Fiction. Hein? Quand il montre au mec qui est comme moi, qui est barré comme moi. Quand il montre au mec qui est barré comme moi, comment danser. Tout de suite, ouais. Il montre comment danser. Merde. Bah, merde, tu m'as soufflé dans mon élan. Ah, tu vois, t'as compris le principe, voilà. Tu vois, t'as compris. Pourquoi que dans cette intro, t'arrivais pas à chez les machins. Pourquoi? Parce que, je me répète, hein, parce que tu ne faisais pas émission, tu faisais pas les activités pour te rapporter de l'argent. Hein. Eh ben, Dylan va pas... Évidemment que l'argent que je suis, ça n'arrive pas comme ça. Mais il faut. Parce que sur GTA, moi, c'est comme ça que je faisais. Moi. Je faisais la même course. Bon, qui me rapportait pas beaucoup, moi. Et où, toi? C'est qui dire? Ah, parce que. D'accord. Ah, tu peux conduire et tirer en même temps. N'a rien vu. C'est moi, si je gagne 500 000 dollars sans rien faire, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan. Tu sais, c'est comme sur Warzone, c'est comme quand je joue à Warzone, je disais au gars, allez-y, passez devant, et puis moi derrière, je. Je disais au gars, quand il y avait qui bougeait avec moi à Warzone, je disais. Je suis courageux, mais pas tes mères. Alors, allez-y, passez devant et moi je couvre vos arrières. Enfin, peut-être. Allez-y. Tu sais, dans la vie, il savait comment jouer. Tu sais qu'une fois sur Warzone, il m'a résisté 5 fois, hein, le mec. Hein. 5 fois, il m'a résisté. Hein. Dans la même partie, hein, 5 fois. Hein. À un moment donné, je me suis dit, mais putain, le mec, il va craquer, il va me virer. Eh ben non, le mec. 5 fois il m'a réanimé, 5 fois. Et le pire, c'est qu'en plus, non seulement il m'a réanimé 5 fois, mais on a même pas fait. On a jamais fait un pas. C'est... Non, mais Alan, lui, quand il voyait qu'il n'y arrivait pas, il se planquait dans les coffres. Donc c'était. Allons-y. Et puis, Alan, il se planquait dans les coffres. Sur Warzone, quand il arrivait. Tu sais, quand tu es planqué dans les coffres. Ah. On va pouvoir souffler. Donc, et se tirer de ce trou paumé. Quand il voyait une voiture, hop, il se mettait dans les coffres. Il se mettait dans les coffres. Agaçante. Pour dire, ouh, si je suis là, vous me voyez pas, t'as l'air. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens.
Ah, mais blague à part, avec Alan. En fait, avec Alan, on avait une épreuve qu'on aimait bien, mais qu'ils ont jamais remis. Enfin, qu'ils mettaient quand ça les arrangeait. C'était une épreuve de. Il fallait prendre un point, ou je sais plus comment. Non, il fallait éliminer des ennemis. Et selon l'ennemi que tu tuais, t'avais des points. Et ça, c'était peut-être le seul mode de jeu qui était bien. Le seul mode. C'est vrai qu'il est bizarre. Mais maintenant, le 2. Franchement, le 2, maintenant. Bah, le problème, c'est qu'ils mettent des modes. Ils mettent des modes pour une durée déterminée et pour une durée déterminée. Donc. Pas intéressant, quoi. Non, ou alors GTA, faudrait que je m'y mette une bonne petite heure sur le jeu et puis que je fasse des épreuves à la épreuves. Comme je faisais à une époque, comme ça je me fais de l'argent. Comme ça je me fais au moins de l'argent. En plus, hein, si je faisais des épreuves à la noix, des épreuves. Voilà, bon. Ah bon? Oh, attends, je te le connais, moi. Il est où, les cons? Ah oui, ce machin. Un dernier tour triomphal autour du camp. Oh là là. T'es assuré ou... Bon, on va où maintenant? Ah. Oh, droite ou gauche? Oh putain. Hein? T'es assuré, t'es sûr? Ah, ma couille. Oui. Droite ou gauche? Oulala. Ah, bah oui, mais. Droite, gauche, droite. Ah, bah t'es droite là, le point gauche, le point gauche. Oulala. Vas-y, droite. Oulala. Yes, okay. Ah, ouais, mais attends, mais c'est en pleine merde, truc là. 2 mois sans technologie. Et c'est en pleine merde ton machin. J'ai bien aimé faire une pause. Oh, hein? Quoi? Et puis mes pauvres abonnés. Oui, bah t'es drôle toi. T'es marrant. Oh putain. Mais oh, j'ai pas dit que je pouvais le faire. J'ai demandé si t'étais assuré. Oula. Oula. Ah oui, mais t'es drôle toi. T'es marrant. Oh putain. Oh putain. Sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. Ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair. Oul. Vrai star. Ah, bah oui, mais. Non, mais je suis sûr qu'ils seront super contents. Je t'ai demandé si t'étais assuré. Oula. Oulala. Est-ce qu'on peut se mettre en dessous et juste lâcher le. Le feu de camp? Ça. Non, l'île. Elle est grave isolée, non? Ah bah, tu m'as dit, tu me peux jeter. Moi, jette, hein. Ouais, maintenant. On le signale aux autres. Il a l'air maîtrisé. Oula. Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant. Oula. Quand, pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait ah bah, c'est bon. Tu sais, rentrer. Non, ouais. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement en train de nous attendre. C'est pas pire que ça, c'est pas... Ah là, ça peut être pire. Nick, qui t'attend? Les autres? Oh, on fait comment pour... Non, bon. Ah, tu vois, on dit merci qui? 33 244. On dit quoi? On dit merci Hervé. Hein? Ah, t'as gagné toi aussi, non? Je suis chargé à blog. Non? Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de raison d'en parler, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Non, mais toi, ton problème, c'est que t'es pas radin. Ouais, mais le problème, c'est que t'es trop. Justement, toi, t'achètes trop. Oh, bah... Et alors, tu dis, j'ai pas d'argent. Ah bah. Oh purée. Tu vas acheter une caisse. Hey Nick. Hey, où vous étiez? C'est dommage que sur le site, c'est dommage que ce jeu tu puisses pas acheter en Tunisie ou je sais pas où. Peut-être que ça coûte moins cher. Y
Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Il y a un problème maintenant, en tout cas. C'est ça, non? Alors par contre, il y a un truc qui est pas normal, c'est que toi t'as un casque et pas moi. C'est pas normal ça. Merci. Oh, je te fais confiance, toi, t'es un bon pilote, toi, t'es... Oh là là, t'es un bon pilote, je te fais confiance, oh putain. Je te fais confiance, t'es un bon pilote, toi. Qu'est-ce que c'est, où est Ryan? Oh putain. Il doit être dans son coin en train de broyer du noir hyper sexy. Tu sais que par chez moi, j'en vois, ils sont avec des trottinettes. Ils sont à deux sur trottinette. À deux. Ce trottinette qui fait même pas. Ça parle de quoi? Eh mais normalement, c'est. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ah non, à Paris, vous allez avoir les JO là, dans pas longtemps. Je crois que ça s'appelle « Comment s'occuper de son cul ». Tu devrais l'écouter. Non. De fantômes. De fantômes. Ouais, enfin, ça parle de cryptozoologie, en fait. Mais l'épisode que j'écoutais... C'est chiant. Ah, mais ouais. Si tu te fais arrêter par la police pour un contrôle, parce que je pense qu'ils vont... Parce que là, ils sont sur les dents, là. Ils sont sur les dents. Parce que... C'est qui, la folle de Hackett Squad? Non, mais... Je veux dire, ils sont sur les dents, parce que... Avec ce qui s'est passé en Russie là-bas, là, en Russie, là, ils ont peur que ça nous arrive à nous. Et ils ont peur que les JO, ils se servent des JO pour. Ouais, c'est un plan vieux pirate élevé, je crois, je sais plus quoi. Le plus élevé qui. Là, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils disent. Si ça nous... Ils attendent que les JO commencent pour. Attaquer, pas pour faire du temps, là. C'est comme JO qu'il y aura plus de monde. Ils ont les miquettes. T'as beaucoup d'ailleurs qui disent, mais pourquoi faire les JO qu'on est en vie pirate, quoi. La folle de Hackett Squarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. Ah, le problème, c'est que il risque. Soit ils risquent de contrôler au faciès. Vous auriez vu ces gens disent, oh là, toi. Il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a trop. Oui, non, mais. Sans déconner. Oui, mais quand je. Oui, mais quand je te dis au faciès. Il y en a un. Quand j'ai fait ma formation avec lui là, à Pointfort. C'est n'importe quoi. Il s'appelle Momo. Enfin, on l'appelle Momo. Il. Quand ils sortaient dans la rue, par exemple, quand ils sortent dans la rue où ils habitent, par exemple, si t'as des flics un petit peu trop aisés, un petit peu trop toi, machin, ils contrôlent. Pas parce que il a un comportement bizarre ou louche, tu vois, juste parce que c'est un arabe, quoi. Juste parce que c'est un arabe et que. Voilà quoi. Mais. Et même lui, il le dit. En plus, il est marié. Il est marié, il a un gamin. Mais une fois, il sortait avec son gamin, tu vois, il faisait un mal. Hein, Mais t'as un police municipal, il le voit. Il le voit dans un parc. Il va vers lui, il dit excusez-moi, monsieur, police municipale, contrôle de papier. C'est ce que j'appelle au faciès, quoi. C'est ce que j'appelle au faciès. Ça, c'est pas bien, c'est moche.
Il fallait moche. Justement que je vous parle d'un truc. Oh. Si tu commences à contrôler au faciès. Non, c'est juste. Tu vas pas loin, quoi. Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Oula. Oh, pardon. Allô? Il n'y a personne dans ton truc là. Il n'y a personne dans ta case. Ils vont bientôt partir, d'accord? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. C'est une perte de temps. Non, je devrais? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider? Non. On voit le tien, mais pas le mien. Fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin, bref. Et t'es aussi tatoué dans la ouais, ou c'est... Ouais, c'est au sujet de... Juste ton personnage. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus parce que non. Ma mère n'est pas vraiment présente et je ne veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà une très grande famille. C'est ce que je m'amuse à dire si... Tu veux être oui et pas aimer oui. Sûr que ça va? Vous avez un rancard ce soir? Mon sang. Si tu savais. Et en quoi je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres? Que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux. Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Oh, c'est juste une chose que ce gamin bizarre m'a raconté. Hey, y a pas de gamin bizarre ici. À Hackett Squarry, chacun de nous est cool à sa manière. Les moniteurs sont censés être des gens responsables, faire plaisir aux gamins. Qui ressemble à Jamie Lewis. Viens s'occuper d'eux. Alors reprends-toi. Ouais, bien sûr. Enfin, on est... Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Pas de problème. Mmh. Ouais. Et je préfère vous savoir tous à l'abri. Mmh. Les bois sont bourrés de gibier et les chasseurs se jettent dessus dès la fin des vacances. C'est dangereux. Mais tout est fait. Je suis tout con avec toi, la malle. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Tout est fait. Il y a un TikTok que je me suis abonné, moi je me suis mis en premier. C'est une musique qui est sur le site, incroyablement. Bosse à la casse tout le reste de l'année. C'est incroyable, non? Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. En fait, elle fait du bruit avec un truc dans la bouche. Heureusement qu'il y a la musique à côté, parce que sinon. C'est un peu d'un techno, mais d'un techno, on peut le dire. Vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés.
C'est un peu de la tronche, c'est un peu de la décrétance. Le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Ah. Allez, en route. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et, ils dansent tous comme moi, elle dans la tête. Ils dansent tous comme moi, dans la tête. Comment t'as fait pour récupérer ton portable avant? Je lui ai jamais donné. Assis tranquillement et tu danses ta chaise. Dylan. C'est la règle, patate. Ma poule. Tu sais ce qu'il dit, ma poule. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Il est où, toi? T'es où? Il est où? Il est là. C'est quoi le problème? Je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Peut-être que tu t'y prends mal. Aïe, en plus, il s'est fait mort. Arrêtez tous les deux. Merde, allez. Doucement. Stop. Non. Oh, j'ai pas changé de caisse. Non. J'ai toujours le même casque. Non. J'ai toujours le même casque. Arrête-toi, stop. Je m'en occupe. Pourquoi? Pourquoi tu dis que j'ai changé de casque? C'est pas si grave. C'est pareil sur le... On a qu'à passer la nuit ici. Non. Ah non, j'ai mis tes oranges. C'est quoi le truc sur les murs hein? Ok. Bordel. D'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. Hey, Ryan. Viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne. Compris? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Ah, j'ai bien le ouf. Sort jusqu'à demain matin. Pourquoi vous allez où? Ryan, tu pars déjà très confiant. Non, je te fais confiance. Tu peux faire ça. Tu pars très confiant. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Bon. T'es où toi? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non, c'est une blague. Emma. C'est une putain de blague. On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. Eh ben non. Qu'est-ce que t'entends par là? Pas de monsieur Hackett, pas de gamin qui crie. Oh là 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 là. D'adulte responsable, prêt à se lâcher et à... Oh putain. Oh là là. Oh là là. Ah mais grave. Et mais moi par contre je suis pas assuré. Hein. La teuf.
Quoi, ouais, ouais, je suis pas sûr. Si, ouais, ouais. Tu vois, KZ, le monsieur avec qui je roule en moto, lui, il a le permis, lui. Hein? Mais. Hein? Oh, mec. Ouais. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma? Je sais pas, on le fera une prochaine fois, c'est pas. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Essayez de nous faire flipper, c'est tout. Comme. Demain, tu pourrais être là ou pas? Fantôme de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Bah, tant pis. T'auras qu'à me faire comme tu m'as fait ce matin, un message. Ah. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais. Mec. Oh, si je suis pas si que ça, moi. Non, mec. Et moi, je m'adapte, hein, Claude. Ok, on comprend. En fait, tu. Je m'adapte. Tu veux pas décevoir papa. Je m'adapte. Laisse tomber. Tout va bien se passer, mec. Crois-moi. Ça va être cool. Ok, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. Oh là... La pauvre moto est paf, et boum. La pauvre moto. Paf, et boum. Tu sais qu'une fois j'étais avec mon cousin. J'étais derrière lui, j'étais sur son scooter, j'étais derrière lui. Je crois que j'ai eu la plus grosse trouille de ma vie. Parce que, tu vois, lui le problème c'est qu'en scooter, il avait tendance à coller les voitures. Et donc, moi d'ailleurs, toi, je voyais les voitures qui se rapprochaient, j'ai fait, oh putain. Et vraiment, il avait aucune notion de quand il était trop près d'une voiture ou pas assez, ou trop loin, toi. Il avait aucune notion. Et le problème, c'est que moi d'ailleurs, enfin, toi, t'es derrière, tu voyais, quand il s'arrêtait à un feu, par exemple, il collait la voiture. Mais il a collé vraiment. Hein. Et bien qu'il y en a qui le questionnaient. Mais comme le problème, c'est qu'il était sourd d'une oreille, il n'entendait pas. Et moi, je lui dis, mais tu es trop près, là. Et puis, bon appétit, Claude. Et le problème, c'est qu'il n'entendait pas ce que je disais. Il n'entendait pas. T'avais beau lui dire, mais attends, tu es trop près des mecs, là. Trop près. Alors. J'espérais bien vous revoir. Et le pire, c'était quand on était en descente. C'est quand on montait une côte, ça allait, enfin, à peu près. Mais quand tu descendais, le problème, c'est que lui, la vitesse, toi, normalement, que ce soit en voiture ou en scooter, normalement, t'as juste à c'est glisser là, tu le glisser, et puis après, tu freines pas, enfin, tu gères, quoi. Lui, le problème, c'est que lui, en descente, il accélérait. Il laissait pas le scooter, toi. Et en fait, il accélère en plus, quoi. Il accélère en plus. Donc, il allait hyper vite en descente, mais vraiment hyper vite. Et moi, d'ailleurs, j'ai fait, oh putain. Je me faisais souvent un signe de croix parce que je me disais, oh putain. Et mon père, comme il savait comment il conduisait, parce qu'il l'avait déjà vu. Et mon père, il me dit, non, tu montes avec lui, hein. Combien de fois que mon père m'a défendu avec lui. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à raconter. Il m'a toujours dit non, prenez soin de vous tous. Vous pas avec lui, hein. Et essayez de trouver mes cartes. Et bref. Eh ben, on est foutu.
Avec quoi pour le bouton? Ah bah là! Il y a une photo? Une photo? Alors, on non? Est là, coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Envoyez la photo de Chaman. Faut prendre une photo? Il a dit. Ah, c'est bon? Filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles. Mais t'as combien de missions à faire? T'as combien de missions à faire? Dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça. J'y suis presque, ok? Putain. Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Ah là-bas. Je vais y arriver. En fait, je vois le. En fait, moi, je vois la. Je vois la flèche bleue. T'as pas la flèche bleue? Wow. Hein? Et voilà. C'est bon, j'aurais pas. Ah bah c'est bon. Tu m'as mâché le travail. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est. Ça va, ça va, ça va. Détecter la bière. Moque-toi. J'avais jamais. Moque-toi, tiens. Moque-toi, moque-toi, moque-toi. Quoi? Mais si, mais n'empêche, je le maintiens. Si on avait fait cette foutue de sortir dans les poubelles, hein, on n'aurait pas galéré autant. Hein, parce que voilà. Ah, t'as dit, ah, mais il rentre dans le tribunal municipal. C'est pas, oui, bah oui, tu parles. Hein? Ah, salaud. Salaud! Ah oui, mais attends, ils sont marrants, eux. Vous voulez ça? Ah, mais attends. Ah, en photo? Oh, bah c'est pas marrant. Je sais pas ce que j'espérais. Ça marrant, ça. Et bah. Mortel. Oh. Et bah, je l'ai fait. Mais, mate un peu mes grosses pastèques. Oh. Tiens. Tu découpes un pot dedans. Mm-hmm. J'ai pris moi, mais. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais. C'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf. Tu sais. Ouais. Tu peux aussi. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. Bien. Arum Scarum? Bah, on retient la caisse et puis on reprend ça quand tu pourras. Un avion, carrément. Sérieux, hein? Un avion, t'es sérieux? Qui achète cette merde? Un avion? T'es sérieux? Non, je suis pas assuré pour les avions, moi. Je suis assuré pour tout ce que tu veux, mais les avions. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah oui, c'est moi. Bah, bah, c'est un. L'avion de où? Hein?
Shoot. Mais t'es arrivé, lui. L'avion, mais t'es cinglé. Salut, les gars. Cinglé. Trop bien. L'avion, t'es cinglé. Comment qu'on va faire pour atterrir? Cinglé. Je sais pas. Ouais, cinglé. Dites-moi, oh là là, vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus? Restez. Oh là là, mon dieu. Je veux pas voir ça. Oh là là, mon dieu. Mon dieu. Oh là là, oh là là. Là. Où je pourrais me... C'est où? C'est où? Oh putain. Ah. Emma. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est d'arriver en entier. C'est ça qui m'inquiète. Si t'essaies de me faire peur, ça marchera ah, pas. Ah oui. Pourquoi t'as pas commandé? Pourquoi t'as pas plutôt fait venir la DeLorean, la voiture qui vole? T'as pas peur des clowns? Non, ils sont marrants. Parce que ça, c'est censé être marrant. Eh ben, ouais. Wow. Et là, tu trouves que c'est marrant, mon garçon? C'est que... Tu veux te joindre à 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer? Oh, c'est moi qui dors quand tu joues, c'est pas toi. Hein. C'est moi qui dors quand tu joues. Bah quoi? C'est moi qui dors quand je joue. On en reparlera. Purée. Surtout que là, je voulais pas te mettre la pression, mais là, il est 16h09. Hein? Je me demande ce que c'est. Ah, ça fait comme moi quand je suis gamin. J'avais juste la rue à traverser et puis voilà. Ah bah, c'est comme moi. Moi où j'habitais avant. Moi j'habitais avant que mes parents, j'avais l'école qui était en face. J'avais juste la rue à traverser et puis voilà. Après le collège, c'était un peu plus loin. C'est parti. L'école primaire, quand j'ai fait... En fait, j'ai fait CP, maternelle, CE1, CE2, CM1, CM2, l'école qui était à côté de là où j'habitais. Alors, à mon côté, j'avais juste la rue à traverser, et puis voilà. Wow. Mes copains, ils prenaient le bus pour... Ou ils prenaient le bus, ou ils prenaient... Un peu tous ces trésors. Tu m'étonnes qu'ils ferment la porte à voilà. Il va pas nous tuer, si on pille son stock. Quoi? Non. Oh, bah moi, que j'y allais à pied, moi. J'y allais à pied, moi. De la survie ou. T'es pas d'accord? J'avoue, ouais. Hein? Ok. Voyons ce qu'il y a. Oh, purée. Sinon, la porte... Il est cinglé, lui. Oh. Il est cinglé, lui. Mortel. Oh, purée. Prévenu? Bah, tu me donnais le moment. Et encore, je t'ai dit, mais comment qu'on va tirer avec l'avion? Tu dis, oh bah, il faut sauter. Ah bah oui. Oh putain. Et en plus, je me suis fait mal. Oh cool. Oh là là là, mais quel est. Un fusil. Oh là là là, je te jure, mais c'est. Et c'est comme le soir quand je joue à Fortnite. Hein. Oh, je suis avec des équipes des fois, mais franchement. Oh là là, j'ai qu'une équipe de bras cassés, mais je te jure. Oh là. Ok. Oh. Ah bah c'est rassurant, tiens, Ah bah c'est ça, c'est rassurant, toi, c'est dingue. Tu dis, oh bah tiens, on joue à Fortnite. Par contre, je te préviens, je n'ai pas atterri en parachute. Hein. Ah, ok. Tu donnes vraiment envie aux copains que j'ai avec toi. Hein. Là, par contre, je te préviens, on joue à Fortnite, mais je te préviens, je sais pas atterrir en parachute. Ah ouais, d'accord. T'as le mec qui va dire, waouh, d'accord, ok. Déjà des tentes au feu de camp, alors... Bon, écoute.
Moi, j'ai, de toute façon, moi, je vais faire mon tour. De toute façon, je vais faire mon tour, de toute façon. Écoute, si tôt que tu peux, tu m'envoies un petit message, comme tu as fait là ce matin, et puis... comme tu as besoin. Hein. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein? Ouais, pour les ours. D'accord. Oh, bah, moi, oui, mais attends, ça, on verra ça déjà. On verra ça en temps et en heure. Hein. On verra ça en temps et en heure. Allez, ciao. Bon, les deux là, Alan et puis Sue. Bah, il est parti. Bon, bah, moi, ouais. Je vous laisse. Et puis voilà. Et à terre. Ouais. D'accord. Bingo. Eh, c'est pas mal. Y a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non, Emma. Feux d'artifice. Je pense que les feux d'artifice, ce serait abusé. Quoi? Non mais, attends, t'as un fusil, tu veux pas que j'ai des pétards? Parce que le fusil, ça nous protège des ours, alors que les feux d'artifice, ça risque de foutre le feu. Saloperie de feu de forêt. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière, ils étaient carrément déchirés, et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh, stop. Oh, sérieux? Des peanut butter pops? Putain de peanut butter pops. C'est quoi des butter pops? Non. Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Papa peanut butter pops. Pop pop, ça fond dans la bouche. Pop. Non mais sérieux, c'est juste le meilleur snack de tous les temps. Qu'est-ce que c'est, un genre de popcorn? Hein? Non, ça n'a rien à voir. C'est un truc à part, une sorte de sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi? J'en ai pas mangé depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet? Non, ça se conserve. Oh non, le paquet a 20 ans, ouais, c'est ça? Tu sais, ils les avancent, les dates de péremption. Bah. Mais si, tu vas les adorer. Bah. Oh, sérieux? Ok. Bon, j'ai vu une belle prouette quelque part devant. Il n'y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là? Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette? Voilà. Ok, c'est comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh! Je vois. Après vous, madame. Merci. Par où? Génial! Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ça. Et charger. Des podcasts. Ouais. Ok.
laisse-moi deviner. T'es en train d'écouter un truc avec des musiques un peu cheloues et une ambiance mystérieuse. Et un narrateur avec une voix super grave et un type solitaire qui vit encore chez sa mère et qui cherche des aliens et le Bigfoot. Désolé, je dis pas que c'est ton truc. Je voulais pas te... Hein, t'inquiète, pas de soucis. C'est mon truc, t'as raison. J'aimerais bien écouter, tu sais. Non, mais te sens pas obligé. Non, Ryan, c'est pour toi que je fais ça. Il s'appelle comment, le podcast ? Enquête paranormale. T'as envie de rigoler parce que tu te dis que c'est des conneries, avoue. Mais non, pas du tout. T'es pas croyable. Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché ? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ok, bah pas moi. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher ? Ah putain. Pas Monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. Ah, ça m'en couille. Yes. Quoi, je sais pas, t'es où, chien ? Eh, pourquoi il y a un fusil ? Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... pour les ours. Des ours ? Ici ? Ouais, ouais, il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est... armé. Et... Ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Hey, et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une situation où on serait en danger de mort ? Genre quand des gens chassent d'autres gens ? Ouais. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Ok, je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous ? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer ? Non ? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, ben... On sait où est le fusil, en cas de besoin. Comme tu veux. Eh, hey, touche pas au fusil, mec. À vos ordres, chef. Dylan, qu'est-ce que tu fous, merde ? Désolé. J'avais juste envie de voir ce que ça faisait d'en tenir un. Je t'ai dit deux fois de pas y toucher. Ouais, pardon. Arrête ça. Hé, hey, salut. C'est quoi ça ? T'entends ça ? Est-ce que c'est une trappe ? Ouais, je pense que ça mène au sous-sol. Oh. Mais pourquoi Monsieur H aurait une trappe secrète dans son bureau qui mène vers le sous-sol ? C'était peut-être là avant que ce soit son bureau. Il a au moins 3000 ans, ça a toujours été son bureau. Ça doit être pour stocker des trucs. Ouais, ou c'est une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Ouais, ou pour le stockage. Ouvre-la, on verra. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde, tu peux te glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. Ouais. Après réflexion, je préfère pas savoir ce que Monsieur H trafique. Mieux vaut garder le mystère. C'est ça.
Oh, Matt le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Allez, il n'en saura rien. Ok, mais sois prudent. Tu crois que je vais le casser ou quoi? Allez. Oh. Oh. Un défaut de conception. Kearney et Max Brinley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Kylie et Caleb Hackett. Ils sont chelous, non? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Ah, très drôle. Allez, y a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas un petit peu curieux? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok, me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre. Quoi?